dans un nouveau vlog. Comme vous pouvez voir, mon beau sapin est allumé, il fait noir, ça fait full cute dans la maison, ça fait full du bien, je trouve, au moral, c'est vraiment le fun. Mais bienvenue dans ce nouveau vlog, on est lundi soir, il est 5h, puis j'ai pas vlogué de la journée parce que lundi pour moi c'est vraiment occupé, go go go, retour à la routine. Catch-up d'email pis tout, fait que j'étais bien occupée aujourd'hui. Je viens d'une petite marche dehors avec Maggie, il fait super froid aujourd'hui, je suis tellement contente. C'est vraiment mes genres de température, ça, ça fait du bien. Puis là en plus avec le petit sapin, je suis trop heureuse. Après temps à faire le souper, je me suis dit que je pourrais vous montrer la recette. Je vais regarder si elle est dispo en ligne, mais ça vient du livre de La cuisine de Jean-Philippe, je pense que c'est son premier ou son deuxième. C'est du tofu au beurre, ça va être super bon. La recette est disponible sur le site de Rachel Berry, mais je vais quand même vous la mettre en barre info, c'est de Jean-Philippe Cyr, comme je vous disais. Fait que ça prend du tofu ferme, du beurre vegan, lait de coco, oignon, ail, pâte de tomate, là j'avais un restant, levure nutritionnelle, du vinaigre de riz, de la fécule de maïs, un petit peu de sucre, puis côté épices, on a curcuma, piment rouge broyé. Ça c'est de la moutarde moulue, puis de la poudre de curry. Je pense aussi que ça prenait des pois congelés, mais j'en ai pas. Moi j'aime pas ça manger ça, fait que je n'ai juste pas, puis ça va être bien correct de même. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de légumes par exemple. Je vais essayer de penser à qu'est-ce que je pourrais faire sur le side avec ça, mais voilà, fait que je cuisine ça, puis je vous montre le résultat final. Donc voilà, la dernière étape, c'était de tout mettre les ingrédients. Puis là maintenant que c'est à ébullition, on rajoute le tofu, puis on mélange, puis ça va être prêt dans 2 minutes. Je vais nettoyer tout le petit mess que je viens de faire, puis mon chum arrive dans pas long, on va manger. Mes cheveux, mes petites cuts, je suis comme plus capable, ça me gosse vraiment beaucoup, mais en tout cas, ça va être tout pour ce soir, on va s'en reparler demain. Je vais faire mon petit meal prep, puis j'ai sûrement d'autres choses au programme à vous parler, fait que on se parle demain. Je viens de recevoir un colis de la part de B4. C'est une compagnie de pâtes à dents, ingrédients moins nocifs si on veut. Et voilà, fait que je vais ouvrir ça, je vais vous montrer. Donc, pâtes à dents blanchissantes, sensibles et classiques. Fait que j'ai vraiment hâte de tester ça. Moi, ça fait des années que j'utilise Sensodyne, puis j'ai comme jamais vraiment pris autre chose, mais je suis bien curieuse d'essayer des marques un peu moins toxiques si on veut. Ils m'ont aussi partagé un code si jamais vous voulez essayer, puis ça donne un tube de pâte à dents gratuit à l'achat de 1. Il y avait aussi comme un espèce de gros journal, je sais pas trop, genre de gros magazine. C'est cute. En tout cas, je vais regarder ça. En dessous, il y a un beau tote bag écrit before. Cute. J'adore les choses qui sont écrites. Long dog walks, hot yoga session. Ok, ça me parle. Puis, c'est tellement cute, mais dans le mini sac, il y a des mini pâtes à dents. Fait que c'est parfait pour quand tu vas à l'hôtel. Cute. J'adore tout ce qui est mini format. Là. Ok, trop cute la casquette. Là, je fais vraiment dur en ce moment. Fait que je vais pas l'essayer pour vous montrer, mais je vous montrerai une autre fois. Mais elle est tellement cute en genre de jeans délavé un peu. Puis il y a aussi une serviette de plage, 2 tons. Je suis trop contente, c'est tellement un beau colis. Donc merci à B4, je vais ranger tout ça puis me faire à dîner. Je viens de me faire à dîner puis j'ai comme complètement oublié de vous filmer là, le processus, si on veut, les étapes. Parce que je filmais pour une vidéo pour TikTok et Instagram, mais dans le fond j'ai comme coupé plein de légumes que j'ai mis dans un bol. J'ai fait cuire du quinoa, puis j'ai rincé des pois chiches. Après ça, j'ai fait une petite vinaigrette avec huile d'olive, jus de citron, zeste de citron, un petit peu de poudre d'ail et d'épices italiennes, un petit peu de sirop d'érable, puis de la levure nutritionnelle. D'habitude, je fais juste une vinaigrette genre huile d'olive, puis vinaigre de cidre de pomme, mais là, ça me tentait de faire de quoi d'un petit peu plus... goûteux, fait que voilà, ça va être super bon. Je vais aller dîner, puis si jamais vous êtes curieux de voir la vidéo, là, ça va être sur mon Instagram, d'après moi, quand le vlog va être en ligne. Je vous le mettrai le lien si vous voulez en barre info, comme d'habitude. Fait que bon appétit! J'ai oublié de vous montrer le résultat de mon meal prep. Désolée, là, ça va être bien à la bonne franquette, comme on dit. Fait que j'ai fait
deux batchs de overnight oats, la petite vinaigrette que je vous ai montré tantôt, quinoa, puis pois chiches, que tout est prêt. J'ai coupé aussi des légumes lavés et tout. Fait que voilà. Hello, on a le pire angle là. J'ai le relais de marcher avec Maggie. Et j'ai l'air d'avoir fait cheveux. Ok. J'ai l'impression que je vous ai pas parlé pantoute dans ce vlog-ci à date, même si ça fait juste deux jours. J'ai filmé plein de petits clips, genre, mais je vous ai pas tant parlé face à face parce que j'avais juste zéro motivation de m'arranger, puis mes cheveux sont sales. En tout cas, c'est pas bien grave, là, mais voilà. Fait que là, on est mardi, il est 4h30, j'ai l'impression qu'il est comme 6h, mais voilà, c'est pas grave. C'est ça, j'ai terminé ma journée de travail, je suis allée marcher avec Maggie, puis là, j'ai déjà semi-préparé un peu. Le souper, dans le fond, je vais faire une soupe aux légumes et aux lentilles. Puis j'ai comme pré-coupé les légumes, je les ai mis au frigidaire. Puis là, ça me tentait de prendre un bain pour me réchauffer parce qu'il fait trop froid dehors. Mais j'aime vraiment ça, prendre des bains l'hiver. Je trouve que ça fait tellement du bien, surtout après avoir été marcher. Fait que je vais prendre un petit bain relax, lire un livre. Je pense que j'ai des sels d'Epsom pour mettre dans le bain. Je vais voir. Je vais faire ma petite routine de soins, puis je voulais en même temps filmer un petit TikTok genre night routine. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé ça, puis j'aime ça. Je suis tout le temps en train de penser à des vidéos TikTok à filmer, là. Ça a peut-être l'air intense, mais moi j'aime vraiment ça faire ça, fait que je suis tout le temps en train de filmer ça. C'est de la job, surtout faire le montage, mais c'est tellement le fun, moi j'aime vraiment ça. Fait que c'est ça, je vais filmer un petit night routine, faire mes soins, prendre mon bain, mettre en pyjama, faire un souper, prendre un petit thé, en tout cas, vous voyez le genre. Fait que c'est ça, je voulais juste faire un petit coucou parce que c'est ça, je vous ai pas vraiment parlé en pleine face durant les derniers clips. Fait que j'espère que vous allez bien, puis laissez-moi savoir si vous aimez ça quand même, ce genre de vlog là, parce que je suis des youtubeurs comme américaines, puis sont pas tout le temps nécessairement en train de dire genre allô, on est tel jour, gna gna. Tu sais, ils font juste comme filmer qu'est-ce qu'ils font, puis ils update en même temps, mettons. Mais en tout cas, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est ça. Laissez-moi savoir si vous aimez ça juste tout voir, ou si vous voulez un intro, puis genre allô, hein. En tout cas, moi j'aime ça filmer sur le fly, puis vraiment comme on the go, sans nécessairement comme stagey, faire une introduction. En tout cas, je sais pas si mes idées sont claires, mais voilà, de toute façon, c'est ça que j'ai fait durant les derniers jours. J'ai juste filmé on the go, puis sans vraiment m'asseoir pour prendre le temps de jaser, mais j'avais juste rien à dire en particulier, parce que la semaine, c'est ça, hein, y a rien qui se passe à part moi qui travaille pour mon 9 à 5, puis moi qui fais des du contenu pour Instagram, TikTok, des contrats, des courriels, je fais à manger, je m'occupe de Maggie, je vois mon chum le soir, puis je te dirais que c'est pas mal ça ce qui se passe la semaine, mais moi ça me convient amplement, je suis bien heureuse là-dedans, mais des fois ça peut être juste un petit peu difficile de faire des vlogs qui sont plus intéressants, mettons. Mais c'est pour ça que j'aime ça partager justement ce que je fais à manger, parce que moi en tout cas j'aime ça voir ça des autres. Fait que je me dis peut-être que ça vous intéresse, puis sinon, ben c'est juste pas la bonne chaîne pour vous, mais voilà. Moi, c'est ça ma vie, c'est la bouffe et filmer les petites choses du quotidien. Donc voilà mon petit blabla de la journée. Je vais aller faire ma petite routine, puis je vais vous montrer ma soupe tantôt. Fait que comme vous pouvez entendre, le bain est coulé. J'ai mis ça de Dr. Teals dans le bain là, du sel d'Epsom à l'huile de coco. Ça sent tellement bon. Ensuite, j'ai déjà tout sorti mes petits produits là, pour faire ma routine pour un TikTok. Fait que j'ai ma brosse dry brush en anglais, je sais pas en français. Je vais brosser les cheveux, j'ai mon petit gua sha, après ça un bandeau. Puis pour mes soins, là, ça va être ça ici. Je vais vous montrer quand même ma routine après le bain. Faut vraiment que je fasse mes ongles en passant. Moi, c'est pour ça que je fais jamais de vernis, parce que ça chip. Puis je suis comme pas patiente pour le refaire à chaque deux jours, ça me tente pas. Puis un coup que ça craque, j'arrache tout. Fait que je vais les refaire demain, peut-être plus une couleur pâle, mais en tout cas,
J'ai mon Rose Hip Sealer que je mets à la fin. Après ça, j'ai pris le sérum de Retinol de Verse, mon eau à la rose. Ça, c'est l'huile de Osea, une huile pour le corps. Les produits Attitude, là, le contour des yeux, puis la crème pour le visage, puis le masque pour les lèvres de Tatcha. J'ai mis mon livre sur la belle serviette de parachute, mais je vais lire Eat to be Dizzy. C'est un livre sur la santé que j'ai acheté comme au début de l'année passée, puis j'ai comme été une longue période que je lisais tout le temps, puis là, j'ai vraiment slacké parce que je suis tellement occupée. Le matin, je me lève, je fais du montage, ça comme ça l'arrête plus, mais là, j'aime ça l'hiver, reprendre mes bonnes habitudes, puis hiberner si on veut. Hiberner, en tout cas. Puis c'est ça, fait que j'ai comme repris la lecture pas mal, fait que je compte bien finir ce livre-là avant la fin de l'année. Mais c'est ça, c'est sur la santé, fait que je vais lire ça dans le bain. Puis j'ai mon petit coussin ici que j'avais acheté au Simons, qu'on colle, tu sais, dans le bain, pour qu'on soit comme bien à côté, dans le bain. Fait que voilà, on se reparle après. Je viens de sortir du bain, ça fait tellement du bien, là, je me sens tellement relax, là. Puis j'ai mis comme un genre de vidéo sur YouTube, le style... audio méditation un peu avec juste des sons là, puis je suis relax. On va faire ma routine de soins. J'ai l'air tellement fatiguée, ça n'a pas de bon sens, mais je passe mes journées devant des écrans, puis pour vrai ça paraît dans ma face, je trouve. Je sais pas quoi faire. J'en ai besoin de mettre des gouttes auto-bronzantes demain matin. Je vais sortir mon bandeau, mais je prends même pas la peine de le mettre parce que mes cheveux sont tellement sales que je m'en fous. Première étape, c'est mon spray rose water. Laver mon visage avant d'aller dans le bain. Goutte pour les yeux de Aunt Mogel. Pensant, j'ai sorti un pyjama d'hiver de l'année passée que j'avais rangé dans mes tiroirs, mais il est de chez La Vie en Rose, là, un chandail marchand avec un pantalon genre pas ajusté, mais pas genre droit, il est comme slim. Puis c'est un genre de chemise, fait que c'est full chaud. Mais c'est ça, je l'ai acheté l'année passée, mais. Cette année, il y en a encore en chemise, là, il y en a tout le temps, mais dans d'autres couleurs, si jamais ça vous intéresse. Moi, j'aime ça mettre ça l'hiver parce que c'est chaud. Moi, l'automne puis l'hiver, je vis vraiment ma best life, comme je disais tantôt, de hibernation. Mais j'aime ça comme... Je sais pas, on dirait que je me ground, puis je sais pas. Le fait que le soleil se couche plus tôt, on dirait que je me permets plus, tu sais, tous ces petits moments-là, tandis que quand c'est l'été, mettons, qu'il fait clair jusqu'à 9h, on dirait que je me permets pas ça. Mais là, c'est ça, ça me fait vraiment du bien là, de prendre ça plus relax, pas que je fais plus de quoi l'été tant que ça, mais comme je dis, je prends pas le temps d'avoir ces petits moments-là comme self-care, puis juste de prendre le temps de changer le mood un peu de la journée de travail, là, ça fait vraiment du bien. Puis là, il est super tôt, c'est ça qui est le fun, c'est qu'il doit être genre 5h, 5h30 d'après moi, fait que c'est ça que j'aime aussi, c'est que j'ai encore beaucoup de temps devant moi. Je vais faire le rétinol ce soir de Verge, et justement, j'écoutais une autre youtubeuse tantôt, américaine, là, mais elle disait aussi que durant l'automne-hiver, elle retourne à ses bonnes habitudes, pas que j'ai pas des bonnes habitudes l'été, mais je suis vraiment plus focus, puis tunnel vision, tu sais, je suis comme... Je mets mes œillères, puis je fais mes choses, puis j'aime ça, ce moment-là. Fait que moi, l'automne puis l'hiver, c'est un moment que j'aime. Puis dans la neige demain, j'ai tellement hâte, là. Je sais pas pourquoi cette année, j'ai plus hâte que d'habitude qu'il neige. Contour des yeux de Oceanly by Attitude, la gamme comme vitamine C, je pense, ouais. Phytoglow. Ce que j'aime, c'est que ça s'applique comme ça, puis ça s'applique super bien, là. Si vous avez jamais essayé les produits Attitude, là, c'est souvent dans ce genre-là, là, dans des tubes en carton. Puis pour eux, ça fait la job en masse, là, autant que dans un pot normal. J'étais sceptique au début, mais il n'y a pas raison. Là. Si jamais vous voulez aussi essayer Attitude, j'ai un code promo qui donne 20% de rabais sur votre première commande. Là. Il est toujours dans mes liens en barre info. J'écris tout le temps mon Instagram, TikTok. Puis mes liens, là, c'est sur le site Hubi. Je sais jamais comment dire, mais en tout cas, là-dessus, on peut tout trouver, mes liens affiliés ou pas, mais mes codes promo et tout. Je le dis souvent, là. En tout cas, si je le dis pas souvent, je le pense, mais je travaille vraiment juste avec des compagnies que j'aime puis qui respectent, qui est alignée avec mes valeurs, si on veut. Comme à chaque jour, je reçois des offres, si on veut, ou de partenariat ou quoi que ce soit. Ils sont vraiment bien rémunérés, mais
Pour vrai, vous devriez voir la liste de non versus la liste de oui. Là. C'est fou, là. Puis, tu sais, ça peut être tentant des fois de se dire « Ah, je vais dire oui parce que c'est payé beaucoup, mais... » Moi, c'est important pour moi d'être authentique. Puis aussi, ma vie depuis que je suis jeune, l'honnêteté, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Justement, aujourd'hui, une compagnie qui m'a approché pour un contrat, nouvelle année, résolution et tout. Puis c'était comme un bundle de genre plein de produits, si on veut, health focus, mais comme que moi, je trouve pas vraiment que c'est santé dans un sens. Tu sais, la santé, c'est vraiment pas compliqué. Là, c'est vraiment, ça passe par l'alimentation, bouger, puis s'occuper, tu sais, de son mental et tout. Mais tu sais, là, je rapetisse vraiment ça, c'est plus que ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. Puis la compagnie, c'était comme un bundle de plein de genre gummies, énergie, un gummies, mettons, pour le mood, en tout cas. Je me rappelle plus exactement, mais pour vrai, j'ai pas hésité, genre je me suis pas dit « Ah, je le fais-tu parce que c'est bien payé? » Genre c'était comme non tout de suite, parce que moi, jamais j'achèterais ça, puis j'aime pas ça, consommer ça, fait pourquoi que je le présenterais à vous, même si vous, peut-être, ça vous intéresserait, mais c'est ma page à moi, fait que je choisis qu'est-ce que je veux promouvoir, si on veut, fait que, en tout cas, petite parenthèse, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais des fois, je trouve que c'est important de se rappeler qu'il faut être vrai à soi-même, puis c'est ça. Fait que, tout ça pour dire que mes codes promo, c'est tout le temps vraiment avec des compagnies que j'aime, des produits que j'utilise et que j'achèterai moi-même. Voilà pour ça. J'ai assez estompé mon contour des yeux. Je vais mettre la Omi ce soir. Puis aussi, pour revenir, dans un autre vlog, je parlais que je voulais faire le Vlogmas, puis je vous demandais votre avis, puis j'ai eu quand même quelques commentaires. Puis aussi en privé, il y en a qui sont venus m'écrire. Puis c'est ça, c'est sûr, je fais pas le Vlogmas à chaque jour parce que j'ai une job à temps plein, puis pour vrai, j'ai pas le temps de me dédier à ça, puis ça serait tellement trop stressant. Je m'en mets déjà assez sur les épaules. Je vais pas le faire à chaque jour, mais je vais quand même vlogger comme que je fais en ce moment. Juste que ça va être plus du contenu de Noël, parce que veux pas, Noël arrive. Mais sinon, j'ai quand même décidé de faire le Vlogmas sur TikTok. Fait que je vais faire des mini-vlogs. Pas nécessairement parler comme ici, mais juste des petits clips de ma journée. Fait que ça va être vraiment un vlog à chaque jour. Mais un mini-vlog de genre 30 secondes à chaque jour sur TikTok. Fait que si jamais ça vous intéresse, j'ai toujours, encore une fois, mon TikTok en barre info. Je vais faire ça, fait que voilà. Je sais qu'il y a d'autres filles que je suis sur TikTok qui le font, puis je trouve ça vraiment nice. Même si ça risque d'être pas mal redondant, parce que, comme je vous disais tantôt, mes journées se ressemblent. Puis finalement, l'huile. Dernière étape, le gua sha. Aussi, c'est vrai, ça me fait penser. Je suis tout le temps en train de penser à... Contenu YouTube, Instagram. Mais pour eux, j'aime vraiment ça. C'est vraiment une passion, là. Fait que c'est le fun. Et, on préfère peut-être un Q&A durant le temps des fêtes, ben pendant le mois de décembre. Si jamais vous avez des questions, écrivez-les en commentaire, puis je pourrais répondre. Je sais que j'ai déjà ouvert des question box là, sur Instagram, mais j'oublie durant la journée, puis... ben, ça fait que les questions disparaissent après 24 heures, mais vraiment sur n'importe quoi, là, ça peut être n'importe quoi. Je suis quand même transparente. Je dis pas mal tout, fait que si vous avez des questions sur moi, mon chum, par rapport au mode de vie vegan, mon passé, mon parcours, peu importe, je suis vraiment ouverte puis je suis dente de répondre. J'ai terminé ma petite routine de soins, je suis tellement relaxe, là, ça n'a pas de bon sens. Je me sens comme si j'étais sur une substance quelconque, là, en tout cas. Je vais aller faire la soupe puis je vous montre ça. Désolée encore une fois pour l'éclairage du soir. Je pense que je vous l'ai déjà dit dans un autre vlog, mais j'aime pas ça allumer trop de lumière, fait que ça va être ça. Mais voici les ingrédients pour la soupe. Fait que j'avais tout coupé ça ici, là, carottes, céleri, oignons, ail, patates. Puis on va juste rajouter, après avoir fait cuire un peu les légumes, on rajoute lentilles, sel de mer, romarin et thym séché. Puis de l'eau et mon bouillon en poudre, ou sinon du bouillon liquide, là, comme vous préférez. Mais voilà, c'est vraiment super simple. J'aime ça écouter des podcasts en cuisinant. Ok, let's cook. La lumière, encore une fois, est pas très belle, mais dans le fond, je fais sauter les légumes à part les patates pendant comme 5 minutes dans l'huile d'olive ou dans n'importe quelle huile que vous voulez, ou dans l'eau, peu importe.
Après ça, on ajoute les patates. On brasse un peu, une, deux minutes. Après ça, on ajoute le bouillon liquide ou comme moi, là, en l'eau avec la poudre. Ensuite, on ajoute aussi le thym et le romarin puis le sel. On mélange, on porte à ébullition. Puis un coup, ça va être à ébullition, on ajoute les lentilles qu'on va avoir préalablement rincées ou s'ils sont sèches, là, tu peux les ajouter aussi à ce moment-ci. Puis on fait cuire pendant un petit 20 minutes jusqu'à ce que les légumes et les lentilles soient tendres. Puis ça va être tout. J'avais oublié aussi, mais quand ça va être sur le bord d'être prêt, je vais ajouter mon kale. Moi, il est congelé, là, mais si vous avez du kale frais ou des épinards ou peu importe, ça serait le moment de les ajouter aussi à la fin pour qu'ils ramollissent un petit peu. La soupe est prête, les légumes sont tendres. J'ai mis le kale congelé peut-être 2-3 minutes, fait que c'est parfait. Je vais attendre que ça refroidisse un petit peu parce que j'aime pas ça brûler. Je sais pas pour vous, mais moi, de la soupe, ça se mange toujours avec une toast. Je peux pas m'en empêcher, c'est comme ça va ensemble. Fait que je vais me faire griller une petite tranche de pain première moisson. Puis je vais manger ça, écouter des vlogs, finir le podcast aussi que je suis en train d'écouter. Puis ça va être bien relax. Il est comme rendu 8h environ, puis je vais prendre mon magnésium. Là. Je le prends pas tous les soirs, j'oublie souvent, mais ce soir j'y pense. Fait que voilà, c'est cette marque-là que je prends. J'ai rien à dire, là. J'ai acheté ça au avril, là, un petit bout, sans trop regarder là, les options, mais je sais qu'il y en a plein des bonnes. Sinon, quand je prends pas les suppléments, j'aime aussi mettre cette poudre-là, qui est une poudre de magnésium, dans de l'eau chaude, puis c'est vraiment bon. Mais là, à soir, ça me tentait juste de boire de l'eau normale, fait que voilà, c'est aux framboises et citrons. Je pense que ça se trouve à l'épicerie, mais sinon en ligne. Puis il y a aussi d'autres saveurs, là. Mais voilà, c'est ça, le magnésium, c'est bon à prendre avant de se coucher, là, ça, c'est bon pour plein de choses. Là. Je sais qu'il y a différentes sortes de magnésium aussi, mais en tout cas, je m'y connais pas plus que ça, là. Je suis pas une experte non plus, mais je sais que c'est bon à prendre. Alors, voilà. Nice. Hello tout le monde! Bon, mercredi, on est sur l'heure du dîner. Là, je me suis changée. C'est dur à montrer. J'ai mis mon pyjama de Noël de l'année passée de La Vie en Rose. Puis là, j'ai comme touch-up mes ongles rouges parce que j'étais en train de filmer ma collaboration avec Nespresso. Je suis tellement excitée. Je fais ça ce midi. Fait que je me suis mis en pyjama. Je vais, comme vous pouvez voir, j'ai seté la. Voyons, c'est dur à pointer. J'ai seté la cafetière ici. Puis c'est ça, je vais faire une petite vidéo pour Nespresso, pour la campagne de Noël, la collaboration avec Pierre Hermé. Puis j'ai vraiment hâte de goûter au café, là. Mais par exemple, comme je vous disais dans un autre vlog, je prends jamais de café après dîner. Là, je me dis, c'est un café comme vraiment espresso. Tu sais, il n'y aura pas de flavor, de lait, de quoi que ce soit. Fait que d'après moi, je vais être correct. Mais c'est ça, j'ai vraiment hâte d'y goûter puis de faire la vidéo. Je fais une petite vidéo style Noël, fait que ça va être super cool. Il sera pas sorti quand ce vlog-là va être sorti, ça sort début décembre, je pense. Fait que c'est un petit avant-midi Noël. En plus, c'est la première neige, je capote. J'étais comme un enfant ce matin. Je savais qu'il allait neiger comme aujourd'hui, fait que j'avais full hâte de me réveiller puis d'aller voir dehors. Puis c'est ça, il neige full, puis la neige, elle reste, fait qu'elle fond pas.
Ben, elle fond un petit peu, mais il neige constamment. Fait que c'est trop, trop beau. C'est parfait pour mon vidéo. Puis juste parfait pour se mettre dans l'ambiance de Noël. Moi, j'adore la neige. Je capote. Encore une fois, une opinion peut-être impopulaire, mais je trippe moi sur l'hiver. Je pense que c'est ma saison. Bref, pour vrai, je pensais que c'était l'automne, mais c'est vraiment l'hiver. J'aime tellement ça la neige. J'aime ça le froid. Je trouve qu'on se sent tellement bien quand on sort dehors marcher là, avec l'air frais. Ça fait du bien aux poumons. Alors voilà, fait que j'attends que mes ongles sèchent. Puis je vais faire mon vidéo après. Puis c'est ça, je pourrais peut-être vous montrer un petit behind the scenes. Je sais pas si j'ai le droit, mais en tout cas. Non, c'est ça, après ça, je vais faire le montage pour pouvoir envoyer pour approbation la vidéo. Puis aussi, ce week-end, j'ai un événement tellement le fun. Je m'en vais à l'ouverture ou la réouverture du Bouclair à Saint-Bruno. J'ai été invitée. C'est comme la deuxième fois que je me fais inviter à un événement en tant qu'influenceur. Mais le premier, je ne pouvais pas y aller. C'est justement cette semaine aussi. C'était un événement à Montréal avec Fable, puis Mimi et Auguste, je pense. Et ça, je vais chez Bouclair en fin de semaine pour l'ouverture. Puis je dois faire du contenu aussi par rapport à ça. Mais j'y vais avec ma mère. Fait que ça va être trop, trop le fun. Fait que vous pouvez voir mon petit setup behind the scenes. Là, j'ai mon trépied. J'ai mis la machine là parce que c'est la meilleure place. Là. Je devrais plus la mettre ici, mais pour vrai, avec la serre qui fait la lumière néon, je me suis dit que c'était pas une bonne idée. Je suis en train de filmer plein de petites shots là, pour voir qu'est-ce qui est plus cute. Puis je vais faire le café à la fin quand je vais être vraiment sûre de mon affaire. Je vais faire les capsules de la collection avec Pierre Hermé. Fait qu'il y a infiniment double espresso, infiniment gourmand, puis infiniment fruité. Je sais que j'ai vu plein de personnes sur Instagram parler de infiniment gourmand, le lieu aux noisettes. Fait que je vais peut-être essayer celui-là. Clairement pas le double espresso en après-midi, probablement plus demain matin. Mais c'est ça, fait que je vais comme essayer soit lui ou lui. Je vais checker voir si on peut voir le degré de caféine. Je vais prendre le moins élevé. Sinon, il m'avait aussi envoyé toutes ces capsules-là là, avec la machine. Fait que ça va être plus pour une autre fois là, parce que dans le fond, la vidéo, c'est vraiment pour la collection de Noël. J'ai aussi une boîte de chocolat noir fruité. Ouais. Comme ça, avec la petite bougie qui donnait. À date, ça sent pas grand-chose parce qu'elle est neuve puis je viens de l'allumer. Dernière chose, c'est le calendrier de l'Avent que j'ai mis ici. Puis que j'ouvrirai pas tout de suite là, vu que c'est le 1er décembre. Mais voilà, c'est tellement nice. J'ai trop hâte de l'ouvrir. Puis dans le fond, ma cafetière Nespresso, je vais la mettre dans mon bureau après avoir fait la vidéo. C'est juste parce que j'avais pas de rallonge. Puis la plug dans mon bureau est comme trop loin de où est-ce que je vais mettre la cafetière. Puis le fil de la cafetière est pas très long. Puis c'est ça, j'ai comme pas le goût d'aller acheter une rallonge là vu qu'il neige puis j'ai pas de multivers. C'est pas grave, je peux m'arranger autrement, mais c'est ça, je vais la mettre. Je vais vous montrer, mais encore une fois, le mess de mon bureau, don't mind, ça va être dans le coin ici, sur le petit card justement que j'ai mis là-bas, mais la plug, c'est qu'elle est comme full, c'est bien dur pointé. La plug est là, puis la machine, elle va être là. Fait que ça se rend pas, mais en tout cas, c'est là que ça va être, un coup que la vidéo va être terminée tantôt. Fait que voilà, je continue mon petit reel. Hold on. Je m'attendais pas à ça pour vrai, pour le goût de du café Nespresso, là, celui aux noisettes. C'est quand même fort pour vrai. Je pensais dans ma tête que les cafés Nespresso étaient pas tant forts, mais c'est quand même strong. Hein? J'suis habituée de boire mon café noir, je mets jamais de quoi que ce soit là-dedans. Là. J'aime mieux ça vraiment intense. Mais là, je te dirais que j'aurais peut-être mis un petit creamer ou quelque chose, mais j'en ai pas. C'est pas plus grave que ça, mais ouais, il est fort. Mais c'est bon, c'est vraiment bon. J'ai hâte à demain matin pour goûter un autre. Là. Mais c'est ça, fait que j'ai terminé, je pense bien. J'ai comme pris plein de petites shots différentes. Vous me laisserez savoir si vous aimez ça, le petit behind the scenes. Là. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, mais j'ai pas de caméra comme... pour filmer, là, j'ai juste mon sel, fait que je peux pas faire vraiment un vrai behind the scenes. Fait que c'est ça, j'ai vraiment eu du plaisir à filmer ça, c'est tellement fun. Mais c'est ça, là, je vais faire du montage, je vais plier une brassée de lavage, vider de la vaisselle, ramasser mon petit mini bordel et boire mon bon café Nespresso. Puis je vais recommencer à travailler après dîner. Je pense que je vais vous fermer le vlog ici parce que il est quand même assez long, je pense. Puis aussi, l'après-midi, comme je vous dis, ça va être vraiment du montage, du travail et... la routine. Je pense pas vraiment vous filmer ce soir. Voilà, ça va être ça pour ce vlog-ci. J'espère que vous avez aimé ça. Il me semble que j'en ai parlé, mais c'est ça, mes vlogs, c'est sûr, c'est jamais très palpitant. Ma vie est super simple, puis c'est vraiment toujours un peu la routine, un peu pareil. Tu sais, je travaille beaucoup, je fais de la création de contenu, je fais des recettes.
Oh, la sécheuse vient de repartir. Mais c'est ça, fait que ça ressemble beaucoup. J'espère que vous appréciez quand même. Moi, personnellement, je regarde d'autres YouTubers que des fois, c'est ça, c'est du contenu pas répétitif parce que c'est toujours différent, mais ça reste que c'est la routine puis c'est un peu toujours les mêmes choses. Mais moi, j'aime ça pareil, j'aime ça voir ces choses-là, fait que j'espère que vous aimez ça aussi. Je vais quand même continuer à en faire parce que j'aime vraiment ça, mais voilà. Fait que merci d'avoir regardé la vidéo, puis on se voit dans un week-end vlog. Bye tout le monde!